Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler juste de livres lus, puisque je n'ai reçu aucun livre depuis la dernière fois où j'ai enregistré et je n'en ai acheté aucun. Voilà. Donc les livres que j'ai lus sont ceux-là. Ils ne sont pas dans l'ordre d'ailleurs, mais voilà. Alors je commence avec le tome 5 de Blackwater qui s'appelle La fortune. Donc, toujours ces magnifiques livres de euh, chez Monsieur Toussaint l'ouverture. La série Blackwater est toujours un livre écrit par Michael McDowell, un grand livre qui a été découpé en plusieurs morceaux. Et les différents tomes s'appellent La crue, la digue, la maison, la guerre, la fortune, et on terminera avec Pluie. Que j'ai dans ma palme et que je n'ai pas encore lu. Il était très très bien. Je vous avais parlé du tome 4, je crois que ça devait être dans, dans l'épisode précédent, que j'avais déjà beaucoup aimé. Je l'avais trouvé vraiment bien par rapport à, à... En comparaison avec le tome 3 que j'avais un petit peu moins aimé, le tome 4 m'avait beaucoup plu. Et j'ai lu très vite le tome 5 après avoir lu le tome 4, je sais plus. Juste que si j'ai lu un ou deux livres entre les deux, mais voilà, je les ai lus de façon assez rapprochée. Et pour moi, ça a été dans une... Euh, dans une lancée enfin je peux plus vous dire précisément ce qui appartient au tome 4 ce qui appartient au tome 5 maintenant tout est un peu mélangé dans mon esprit mais en tout cas euh, bon je veux pas trop vous en parler pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cette série mais euh, vraiment ça a été euh, euh, bah, c'était euh, c'était des bonnes lectures euh, les personnages euh, en fait on est on est un peu dans une saga familiale avec une petite dose de fantastique mais je suis pas du tout, du tout, du tout fantastique. Je, je, je n'ai pas assez d'imagination pour ça. Et la petite dose de fantastique qu'on a me va. Euh, j'ai pas. En... Et puis bon, j'étais aussi prévenue avant, quoi. Mais j'ai pas besoin d'en avoir davantage. Mais bon, ce qu'il y a, voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est pas très grave. Euh, là, euh, dans ce tome-là, on... c'est peut-être celui où il y a le plus de fantastique, je dirais, mais euh... En même temps, le plus de fantastique, et en même temps, euh, dans les tomes précédents, on avait des choses qui pouvaient paraître un peu bizarres. Là, ces choses-là se produisent, mais euh, ça, c'est pas juste quelque chose se produit et c'est bizarre. Point. Là, non, euh, c'est nommé par des personnages, c'est assumé. On n'a pas d'explication, puisqu'il n'y a pas d'explication, mais euh, bon. Euh, ouais, c'est pas très concret ce que je vous dis, si vous ne les avez pas lus, mais je ne je veux, veux pas vous spoiler. Euh, donc on est sur, euh, sur une saga familiale, on commence avec certains personnages qui grandissent, qui vieillissent, certains décèdent parce qu'ils sont vieux, euh, d'autres naissent, euh, voilà, donc on, on suit euh, euh, nos personnages au fil des ans et, euh, et du coup euh, et ben avec les naissances et avec les décès. Il y a une sorte de réorganisation familiale. Euh, il, y a, il y a un peu euh, un personnage à la tête de, de cette famille et euh, et du coup, bah, ce personnage peut être amené à changer ou le rôle de chacun peut être amené à changer euh, en fonction de, de bah, du fait qu'il grandisse ou de la place laissée par les absents. Euh, voilà. Donc là, euh, je ne je, je, je vais pas vous en dire plus, mais j'ai vraiment passé un, un très bon moment de lecture et euh, j'ai hâte et pas hâte de lire le prochain tome. J'ai hâte parce que le quatrième et le cinquième tome étaient vraiment très très bien, mais j'ai pas hâte parce que le sixième tome c'est le dernier et après cette série sera terminée. Donc, si vous n'avez toujours pas découvert la série Blackwater, allez-y. Euh, donc, c'est découpé en livres d'environ 250 pages. Ils se lisent vraiment très très vite indépendamment. Ah, c'est sûr que si vous les lisez tous d'un coup, ça représente une certaine masse hein, de, de pages. Mais euh, comme ils ont été découpés en plusieurs parties, euh, même si vous lisez tout d'un coup, vous lirez six livres, quoi, et pas un gros pavé. Ça, vraiment, c'est découpé d'une façon très très judicieuse. Voilà, et je le rappelle aussi, euh, au début de chaque tome, sauf le premier bien évidemment, il y a un résumé. Et ce qui est extra parce que ça permet vraiment de, de raccrocher les wagons si vous n'enchaînez pas les lectures. Euh, les résumés sont, sont parfaits. Il enfin, n'y euh, a ni trop ni pas assez. Et puis on a également euh, un arbre généalogique euh, qui est assez utile au fur et à mesure. Les, euh, les nouveaux sont ajoutés et les décédés sont mentionné comme étant décédé. Et puis on a un petit plan aussi, un petit plan de Perdido. Euh, voilà. Et le, là on est en 1946, donc c'est bien mis que ce plan correspond à à Perdido à cette année. Voilà. Ensuite j'ai lu Hôtel Castellana de Ruta sepetis chez Folio qui sort le 11 août euh, chez Folio. Il est déjà sorti en grand format. Euh, J'ai eu la chance de le recevoir avant. Je suis contente parce que voilà, j'avais jamais eu de contact avec euh, avec Folio et, et j'étais contente qu'il me propose ce livre. Il me tentait. Euh, sinon, j'aurais pas accepté, mais il me tentait euh, et notamment au niveau du résumé, mais aussi au niveau des avis. Les avis étaient extrêmement positifs, c'est-à-dire que les gens qui ont lu ce livre ne parlaient pas d'un coup de cœur, mais d'un méga coup de cœur, d'un giga coup de cœur. Enfin, c'était vraiment des, des, des mots incroyables pour décrire ce livre. Donc, j'en attendais beaucoup. Euh, je commence par quoi Par le début ou par la fin <laughs> Par mon avis final ou par le début Parce que ce n'est pas du tout le même avis. J'ai commencé et euh, il m'a fallu... C'est un, un pavé, hein, un 600, 630 pages. Euh, ouais, non, un, un peu moins parce que euh, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de choses à la fin, il y a un glossaire euh, de certains mots en espagnol, il y a les remerciements, il y a une bibliographie, il y a une partie recherche et source et une note de l'autrice. Donc quand on enlève tout ça, on a en fait 608 pages de romans. Euh, ça se lit plutôt vite, il y a énormément de chapitres, une centaine de chapitres. Euh, donc le, le rythme est vraiment euh, assez court. Et puis parfois, entre deux chapitres, on a... Euh, forcément, je vais vous montrer, donc je ne trouve pas... Euh, voilà, on a des parties comme ça. Et ça, ce sont des extraits de journaux. Euh, de discours, euh, de personnes ayant réellement existé. Donc, on a le petit blabla. Et puis après, on a euh, la personne qui, euh, qui l'a dit, euh, son, son poste, son, son rôle, euh, l'année, et puis d'où ça a été tiré. Euh, là, c'est mis collection d'histoire orale, des affaires étrangères, euh, euh, sur un site Internet. Euh, donc, bon globalement, même si on est sur un pavé, euh, ça se lit vite avec... Euh, vous euh, voyez là, par exemple, chapitre 43. On commence là, on continue. On continue, ça se termine là. Chapitre 44. Hop, chapitre 44. Ah, il est long celui-ci pour le livre. Ah mince, j'ai dû passer le chapitre 45, pardon. Ouais, en fait, il, était, il faisait la même chose, la même taille que le chapitre 44. Et puis voilà, donc euh, vraiment euh, plutôt court. Euh, donc, du coup, euh, on est sur un pavé de 600 et quelques pages et il m'a fallu peut-être 100 pages pour commencer à bien entrer euh, dans l'histoire. Et au début, j'ai même eu du, j'étais vraiment en train de dire, en train de me dire, mais ce livre a été un méga coup de cœur. Et puis j'avançais. Alors, euh, bon, ça se passe en Espagne, on est en 1957. Moi, l'Espagne, je ne connais pas bien, c'est pas un, un pays qui m'attire particulièrement et euh, je ne connais rien de l'histoire en Espagne. Voilà. <laughs> Donc euh, de, du coup c'est euh, je, 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 voilà, comme ça mais bien sûr j'avais envie d'en savoir davantage. Il y a beaucoup de personnages, il faut euh, voilà, s'approprier un peu tout, tout ça. Euh, et je vous dis ça a été, globalement ça a été, ça a été un petit peu long. Et puis euh, une fois passé ces 100 pages, j'ai continué et à la fin j'en je, étais très triste d'approcher de la fin. Je m'étais tellement attachée au personnage, tellement attachée à l'histoire. Que euh, j'étais triste et limite euh, limite il me manquait de euh, il me manquait des pages enfin j'aurais bien voulu euh, pas mal de chapitres en plus pour en savoir davantage en fait donc euh, en fait on va suivre euh, donc on est en Espagne en 1957 à Madrid même plus particulièrement et, euh, et du coup, bah forcément, euh, l'Espagne est sous Franco, donc il euh, y a beaucoup de beaucoup de choses liées à ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça, tout en se disant "Mais mince, c'était il y a pas si longtemps que ça, euh, c'était juste à côté de chez nous." Enfin voilà, tout tout toute tout cette prise de, de conscience. Et, euh, et donc on a euh, on a Daniel qui est un un journaliste, un photo qui aimerait être photojournaliste. Il est américain, il est en vacances avec ses parents, il a une vingtaine d'années. Quel âge exactement Et, euh, et voilà, donc euh, il arrive avec son super appareil photo et puis il essaye de faire des, des photos. Puis euh, il participe à un concours, donc il aimerait avoir la photo euh, la meilleure photo possible, la plus réaliste. Euh, voilà, donc très très intéressé par tout ça. Sauf que bah il est dans un pays euh, en dictature et euh, il y a des photos qu'il n'a pas le droit de faire, donc euh, faut faire attention. Et euh, il, il est dans un hôtel, l'hôtel Castellana. Et dans cet hôtel, on a euh, Anna, Anna qui est euh, employée. Euh, qui, euh, qui vit avec avec sa famille. Alors, elle est, elle est assez jeune. Euh, euh, je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais, euh, mais une vingtaine d'années ou un peu moins. Et, euh, et en fait, elle vit avec sa famille, mais pas ses parents, qui malheureusement sont décédés. On, on commence un peu le, le livre comme ça qui malheureusement sont décédés, elle vit avec son frère, euh, sa sœur, le mari de sa sœur et sa nièce. La vie est dure pour cette famille, la vie est très dure parce que euh, bah, ils ont tenté de se rebeller, ils l'ont payé un peu cher, ils sont ils sont très pauvres. Chaque, chaque petit sou gagné est, est utile. Alors pour des raisons qui sont très choquantes, euh, euh, voilà. Enfin, bon, c'est pour montrer à quel point la vie était difficile en Espagne à cette période. Enfin, c'est assez fou. Donc, ils payaient euh, des, des choses qu'ils auraient jamais dû payer. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. La, la, vie, la vie est très, très, très difficile pour eux. Donc, on se retrouve avec euh, euh, vraiment euh, un grand écart entre, euh, entre Anna qui est chargée de la famille de, de, du jeune Daniel et euh, Daniel qui lui est américain en vacances et, euh, et voilà l'Espagne les, euh, en tout cas certains hôtels, certains endroits euh, au moins à Madrid s'ouvrent totalement pour les américains pendant que le peuple espagnol vit des choses euh, horribles. Euh... Voilà, donc il y a vraiment ce, ce côté-là, deux mondes, et euh, surtout avec les États-Unis à cette période-là, quoi. Donc, euh, donc bon, euh, Daniel, il arrive très, euh, euh, bah, avec son bel appareil photo, avec son look un peu particulier de cowboy, euh, et puis ils ont des sous, ils ont des sous, ils ont des sous, ils ont des sous, et euh, et voilà, c'est. C'est quelque chose qui est difficilement euh, compréhensible pour, euh, pour les, les Espagnols euh, qui, vivent, euh, qui vivent difficilement. Bon, forcément, ils vont se rencontrer puisque Anna, euh, elle, euh, elle s'occupe de, de la famille de Daniel. Et puis, euh, bah, ils, ils, vont, ils vont bien s'entendre, entre guillemets, parce que qu'Anna n'a pas le droit de parler à un client, sauf si le client lui demande quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de règles comme ça. Et, euh, et du coup, bah, ils vont essayer de s'entendre, mais c'est un peu particulier. Et, euh, et au milieu de tout ça, et eh bien, euh, Daniel, lui, va découvrir des choses qui se passent, qui sont, euh, qui sont un, peu, un peu folles. Il va pas hésiter à se mettre en danger pour essayer de réaliser ses photos. Et, et euh, non pas dans un souci de voyeurisme, mais plutôt euh, de, euh, de rétablir la vérité, enfin... Euh, donc euh, voilà et, et en plus en plus au milieu de tout ça il va y avoir pas mal de secrets euh, on, on comprend assez vite qu'Anna cache un secret on sait qu'il y a des choses aussi euh, qui sont euh, euh, qui sont encore plus 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 choquantes encore plus incroyables encore plus énormes que que tout ce que j'ai pu vous dire mais vous le découvrirez au fur et à mesure et euh, voilà vraiment très très bon livre très belle histoire. Euh, ça, ça ça remue, ça secoue. Euh, J'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'est vraiment très prenant une fois passé ces 100 premières pages. Ce rythme de chapitre-là, c'est dangereux, hein parce qu'à chaque fois, on se dit, allez, encore un, encore un, encore un, encore un. Et en fait, mais je, je l'ai lu, mais euh, je, je l'ai lu sur, sur deux journées, mais en... en au niveau du nombre d'heures je l'ai lu en très peu d'heures enfin, vraiment ça, ça les pages se tournent toutes seules on, c enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais on se prend on se prend de, de, de on s'attache énormément aux au personnages on, a, on éprouve beaucoup d'émotions, euh, euh, de l'injustice, de, de, de la tristesse, euh, des moments de joie. il y en a quand même. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de secrets, donc on se pose beaucoup de questions. on se méfie de certains, alors qu'il faudrait pas. on se méfie pas de d'autres, alors pas d'autres personnages, alors qu'il faudrait. Euh, mais voilà, je trouve que c'est... je vous le conseille vraiment, je vous le conseille. c'est... c'est vraiment... Euh... C'est à lire, c'est une très belle histoire, c'est euh, une très belle histoire avec les personnages, euh, euh, un très beau final et en même temps euh, dans un contexte aussi difficile et, et, et qui est important à connaître en fait. Pas parce que c'était il n'y a pas si longtemps, voilà. Donc euh, voilà, Hôtel Castellana de euh, Ruta Sepetis euh, qui sort chez Folio le 11 août. Je continue avec celui-ci, Les Brumes de Caplan d'Olivier Norek chez Michel Lafon. Il s'agit du tome 4, j'avais envie de vous dire du tome 4 de la trilogie 93, il y a un truc bizarre, il s'agit du tome 4 de la série 93. On va retrouver Victor Coste. Donc, euh, on m'a posé plusieurs fois la question en commentaire, est-ce qu'il faut lire cette série dans l'ordre oui, <laughs> mille fois oui. Vous faites connaissance avec Cost dans Code 93. Vous vous attachez à ce personnage, vous continuez à suivre son quotidien et tout dans les, les deux tomes suivants. Donc, Code 93, territoire, surtension, et vous continuez avec celui-ci. Euh... Alors, euh... vous continuez avec celui-ci, enchaînez-les peut-être. Pas, ou alors euh, lisez les trois premiers d'un coup laissez passer un petit peu de temps et ressortez celui-ci il s'est écoulé beaucoup de temps entre euh, l'écriture enfin la sortie en tout cas des livres hein, parce que je connais pas euh, Olivier Norel je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ses livres mais en tout cas dans les, les dates de sortie il y a eu il y a eu pas mal d'écarts de, de, code 93 est sorti en 2013 territoire est sorti en 2014 surtension est sorti en 2016 et ensuite il a écrit euh, trois livres donc entre deux mondes surface impact qui sont sortis respectivement en 2017 2019 2020 et celui-ci est sorti en 2022 donc moi il me reste maintenant à découvrir impact qui est dans ma palle euh, je j'avais bien aimé code 93 mais voilà c'était un début ça m'a permis de connaître euh, le capitaine cost il y avait des petites choses qui n'étaient qui pas qui m'ennuyait un petit peu mais bon c'est pas grave euh, globalement j'ai bien aimé et tout ça et ensuite j'ai le territoire que j'ai adoré et surtension que j'ai encore plus adoré. Et euh, on m'avait prévenu que cette série elle montait euh, crescendo et tout et euh, j'avais tellement accroché à, à territoire et surtension que j'en attendais énormément. Mais je ne, je ne suis pas dans le même état d'esprit que ceux qui ont découvert cette série à leur sortie. Ceux qui ont découvert cette série à leur sortie, ils ont lu ces livres en 2013, 2014, 2016, voire même un an après s'ils les ont lus en poche, donc... Euh s'ils étaient vraiment fans et qu'ils ont découvert Surtension en 2016 ou 2017, ils ont attendu plusieurs années avant de à attendre en fait à, à être en manque de leur personnage Cost qui est quand même un sacré personnage, euh, voilà auquel on s'attache. Et euh, quand ce livre sort, enfin est sorti, j'imagine que et encore il n'est pas encore sorti en poche, mais j'imagine que pour les fans ça a dû être assez incroyable de se dire waouh ouais, mais trop bien, je me jette dessus, je vais le découvrir, c'est euh, euh, trop content de le retrouver. Enfin voilà. Moi j'étais pas du tout dans ça parce que euh, Code 93 j'ai lu euh, je sais plus mars avril mai je sais plus. Euh, euh, et puis j'ai lu Territoire et surtension ces dernières semaines là. Surtension je l'ai lu il y a deux semaines. Oui euh, il y a, y a deux. il ouais, y a deux semaines. Et Territoire je l'avais lu euh, genre dix euh, jours avant. Enfin ou deux semaines avant donc euh, donc je les ai pas enchaînés non plus mais bon ça reste assez frais dans ma tête donc moi qui étais vraiment dans mon truc avec territoire et surtension que j'avais adoré j'étais partie euh, dans le 93 j'avais vécu des trucs j'étais partie soit dans, dans les émeutes dans les cités soit j'étais partie en prison euh, avec euh, vraiment ce, ce truc un peu euh, social euh, euh, très intéressant avec ce côté euh, terrain avec euh, ces constructions euh, de livres assez incroyables en lien avec les enquêtes et tout et bien là je me trouve avec un Tom atypique, euh, mais qui va, je trouve, avec euh, cette histoire de de, de sorties, de publication euh, très espacées. En fait, il y a un côté. Enfin, je pense vraiment pour les fans de euh, oh, je le retrouve. En fait, je retrouve Coste. Et euh, et donc on le retrouve, mais pas du tout, du tout au même endroit, pas du tout dans le même contexte. Je peux pas vous dire pourquoi il faut lire sur tension et pour lire sur tension, il faut lire territoire, et pour lire territoire, il faut lire code 93. Donc je peux pas vous dire pourquoi on en arrive là. C'est lié à ce qui s'est passé dans les, les tomes précédents. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, qu est euh, dans une île. <laughs> on est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, et, euh, et donc Coste est là-bas. Et euh, il a un petit peu changé de... de un peu changer de poste euh, puisqu'il n'est plus du tout dans le 93 et il va, va y avoir une affaire euh, une affaire un, un, petit peu, euh, un petit peu particulière euh, il euh, bah, je sais pas trop ce que je peux vous dire quand je vois la quatrième de couverture il n'y a pas grand chose dessus et c'est bien donc j'ai pas forcément envie de vous en dire plus moi je savais davantage parce que euh, j'avais euh, j'avais assisté à euh, lors de, de, de... de Quai du Polar. Je cherchais le nom du salon. Lors du Quai du Polar, j'avais assisté à une conférence où il avait parlé de ce livre et à une croisière littéraire où il avait parlé de ce livre. Voilà. Donc, euh, donc du coup, il en, forcément il en avait parlé, donc je, je savais davantage de, le sujet, un peu sur le sujet que ça allait traiter. Mais euh, voilà. Et euh, donc. Ce livre est différent. Ce livre a été est sorti beaucoup plus tard. Il y a une pause entre, le, entre tout ça. Et moi, j'étais partie en me disant :« Voilà, allez, on continue. On va être dans le même rythme. On va être dans le même. ..» Et en fait, dans le même endroit avec les mêmes sujets. Enfin, bon, je, je m'attendais à quelque chose de, de quand même assez similaire et pas du tout. On est sur un rythme. Euh, plus lent au début, mais je pense qu'il y a un côté euh, retrouvailles de Coste que j'ai pas vécu comme ça parce que moi je, je, je vis pas, pas des retrouvailles, je viens de le quitter euh, dans le surtention. Puis après, voilà, il y, y a une affaire et tout ça. Et en fait, l'affaire, j'ai trouvé le dénouement euh, très vite et, euh, et, et j'ai été confortée dans mon dénouement, contrairement à Bernard Minier, euh, Lucia, là où, euh, où j'avais trouvé le dénouement assez vite, mais ah, j'en ai douté jusqu'au bout. Là, j'avais le dénouement. Et, et chaque avancée me confortait en fait dans ce dénouement, me prouvait que ou, ou des comportements de personnages ou des me me, me donner des, des des arguments ou même des preuves que j'avais raison. Et donc ça c'était un peu c'était un petit peu dommage. Et puis voilà il est différent, il est différent. Et, et du coup ce que j'ai adoré dans Territoire et surtension, bah j'avais peut-être un peu moins. Donc j'ai été un petit peu déçue. Je suis désolée, Angie, si tu entends ces mots. Angie de Madame Chachali qui est fan d'Olivier Norek Mais je crois que j'ai été un petit peu déçue. Après, voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Moi, je les ai enchaînés. Euh, je n'ai pas eu ce manque du Capitaine Coste pendant des années. Euh, et après, il n'en reste pas moins que euh, l'écriture d'Olivier Norek, elle est juste euh, top. Que je... je... C'est des livres qui... qui... Enfin, il... je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Euh, le, le... Enfin, oui, j'ai beaucoup apprécié... Enfin, j'apprécie beaucoup l'écriture et, euh, et, et, et ce personnage Coste et sa psychologie et... Euh, enfin, la psych des personnages est vraiment très bien décrite euh, les liens entre les personnages les euh, les dialogues euh, qui sont assez amusants parfois bon tout ça j'ai ai, ai beaucoup aimé et, et que ce soit code euh, 93 territoire sur tension ou celui-ci on l'a mais euh, il était il était vraiment très 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 différent et euh, j'avais une petite préférence pour les précédents pour moi on n'a pas été encore au-delà quoi de voilà mais euh, bon, en tout cas, je, je vous le conseille. Mais je veux bien parler avec certains d'entre vous hein, sur, de, de ce livre. Je ne veux pas non plus. Euh, euh, ce n'est pas non plus totalement négatif. Hein, C'était quand même. Euh, ça reste un livre d'Olivier Norek, donc c'est largement, euh, largement au-dessus de, de la plupart des policiers. Mais euh, bon, j'en attendais autre chose, je crois. Voilà, donc dans Les brumes de Caplan Et je termine avec Dernier été pour Lisa de Valentin Muscou. Je l'ai dans ma palle depuis, euh, depuis un petit moment, euh, peut-être. Euh, non, c'est pas peut-être, c'est sûr, depuis le premier confinement. Et. Ah, oui, si, c'est ça. <laughs> je, en fait, j'en je doute, mais. Si, si, je l'avais acheté à Cultura, l'une de nos premières sorties, si je me trompe. Et, euh, et puis bah j'ai rencontré Valentin Musso à saint maur en poche et je l'ai trouvé vraiment très très sympathique. Je lui pris un livre, un autre, euh, mais là j'avais de l'avance dans mon planning de lecture. J'avais plus d'une journée, j'avais une journée et un petit bout de, de soirée précédente. Et euh, je me suis dit que c'était le moment de sortir ce livre euh, qui fait quasiment 500 pages. Et puis, Dernier été pour Lisa... Alors que j'ai lu ça juste avant de reprendre le travail, je trouvais que, après mes vacances d'été, je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien. Voilà. C'était le dernier moment pour lire un livre en lien avec l'été. <laughs> Donc, premier Valentin Musso, euh, ça se lit bien. Alors, c'est marrant parce que je, j'ai pas lu le petit descriptif de l'auteur. J'aime bien pourtant, mais je l'ai pas lu. Euh, j'ai dû le lire alors j'étais aux deux tiers du livre quand j'ai voulu me replonger rapidement dans la quatrième de couverture. Donc, en fait, Valentin Musso, il est né en 1977. C'est un agrégé de lettres. Voilà, c'est ça qui était important pour moi. C'est un agrégé de lettres alors que derrière, il, il écrit un thriller. Il y a, enfin, il y a des petites choses du coup dans le livre qui prennent un autre sens, sachant qu'il est agrégé de lettres. Euh, alors euh, donc Valentin Musso c'est le frère de Guillaume Musso et euh, donc il a, il écrit quand même pas mal de, pas mal de thrillers euh, et, et bah là à l'intérieur du livre euh, il y a tous ses livres sortis jusqu'à 2019 et ça en fait 8 donc il a quand même pas mal écrit. Ce livre m'a fait penser à plusieurs livres. Alors il y en a un, je vais surtout pas vous dire lequel parce que c'est le dénouement. <laughs> et il y en a un autre, et euh, eh bien c'est euh, L'affaire sur Ar... la, vérité... la vérité sur L'affaire la... Harry Kébert. Euh... C'est marrant parce que c'est un de mes livres préférés, j'oublie tout le temps le titre. Un peu, je l'ai ici. En deux exemplaires. <laughs> et oui, parce que j'ai la version de Fallois que j'ai découverte, et puis j'ai la version euh, de la maison d'édition euh, de, de Joël Dicker, rosier D'ailleurs, j'avais pas remarqué qu'ils avaient un peu changé les couleurs de la couverture entre les deux versions. Donc voilà, il me fait penser à ce livre, ce livre que j'avais adoré. Joël Dicker est l'un de mes auteurs préférés. Donc dans ce livre, on a Lisa, Nick et Ethan, mais en fait, principalement Nick c'est un groupe de, de trois copains, de trois jeunes, alors ça peut faire un petit peu pensé à trois de Valérie Perrin, mais vraiment un petit peu, enfin, ça, ça a fait penser sur, sur certains points. Et euh, en fait, on a, on a Nick, qui est un jeune auteur, euh, qui a écrit plusieurs livres, mais euh, le premier qu'il a écrit a eu énormément de succès, donc il est surtout connu pour celui-ci. Les autres ont eu moins de succès, si bien que quand il croise euh, certaines personnes, euh, on lui dit, c'est dommage que vous ayez écrit qu'un livre, tellement les autres ont été un peu euh, oubliés quelque part. Donc il y a un côté où on va voir un peu le monde de l'édition parce que lui-même est auteur, il va parler avec son, ses éditeurs, il va parler avec des journalistes, donc c'est assez rigolo. Et euh, l'histoire est écrite à la première personne, c'est Nick qui raconte tout ça. Et en fait, il y a, euh, bah, il est amené à revenir dans son, dans son village, euh, enfin, dans, dans la ville où il, a, où il a grandi, pour une raison euh, pas très heureuse, malheureusement. Et, euh, et en fait, Ethan euh, revient dans la même ville euh, après être passé par la case prison, malheureusement, parce que euh, il a été accusé de, du meurtre de Lisa. Donc, euh, ils étaient tous les trois euh, inséparables quand ils étaient euh, jeunes. Il y a eu une soirée. Euh, je vous laisserai découvrir ça. On le découvre pas tout de suite, en plus. Hein, donc. Je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, à un moment donné, bah, Lisa est, est, est retrouvée morte, assassinée, et, euh, et Ethan a rapidement été euh, a rapidement été mis en prison. Il a été libéré euh, plus ou moins provisoirement, donc euh, voilà. Et euh, Nick a jamais voulu trop se mêler à cette histoire, euh, même si Ethan était son ami, il a il l'a pas vraiment accompagné dans tout ça, il lui a jamais rendu visite, il, il s'est jamais trop mouillé en fait dans cette histoire. Et, et là, en revenant, bah, il a pas envie de, il a pas envie de laisser ça comme ça. Il est poussé par, par une, une rencontre qui fait. Euh, euh, plus ou moins par hasard, disons que pour lui c'était par hasard, pour la personne en face c'est une rencontre qui a été provoquée, euh, mais en tout cas le, la personne qu'il rencontre euh, est quelqu'un qui euh, qui refuse de laisser euh, en prison euh, des innocents. Voilà. Donc euh, suite à cette rencontre, eh bien euh, Nick va essayer de, de creuser un peu, de, de mener une enquête en parallèle, ce qui ne plaît pas du tout, du tout, du tout aux habitants de sa ville d'enfance. Euh, de, de faire ressortir cette histoire surtout qu'en faisant ressortir cette histoire il y a des secrets qui vont qui vont ressortir un peu de partout euh, voilà alors euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé le rythme. J'ai bien aimé l'histoire. Euh, même si j'avais l'impression d'avoir des petits bouts de, de déjà lu, mais ça, c'est des circonstances. Je veux dire, Trois euh, euh, de Valérie Perrin, euh, il est sorti bien après. J'en je, 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 suis, oui, enfin, j'en suis sûr. Il euh, y a la vérité sur l'affaire Kébert, Il y a d'autres livres euh, de mon autrice préférée euh, qui m'y ont fait penser et tout. Euh, le dénouement est bon, le dénouement est vraiment bon. Euh, je ne peux pas vous dire que j'ai été surprise parce que dans ce livre, euh, j'ai pensé à tout. Et en général, je suis comme ça. Je ne suis pas comme dans le, le, le livre d'Olivier Norek où euh, je, j tend... je, je, là, j vraiment, j'ai commencé, j'ai eu un dénouement et je me suis euh, fixée sur ce dénouement. Là, c'était pas c'était pas comme ça dans celui-ci. J'ai fait euh, ma détective habituelle, c'est-à-dire celle qui pense à tout, tout 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 toutes les solutions et à la fin qu'il se dit ah oui alors ça fait partie sur mes cinquante mille solutions auxquelles j'avais pensé oui effectivement j'avais pensé à, à ça voilà bon, c'est un peu c'est un peu ça donc c'est pas j'ai pas été surprise d'une façon incroyable puisque j'y avais pensé et en même temps je le trouve vraiment pas mal comme dénouement euh, un vrai dénouement à la Agatha Christie et en fait ce qui est très drôle c'est que quand euh, j'ai rencontré Valentin Musso j'avais mon t-shirt avec mes auteurs préférés dessus et il en a il a, il a joué avec ça en fait euh, parce que je lui expliquais que j'avais jamais lu de livre de lui et que j'aimerais bien en découvrir un et je, je, je voulais savoir lequel il me conseillait. Et euh, du coup, il m'a dit, hein, alors je pense que vous devez aimer euh, Agatha Christie, Virginie Grimaldi. Euh, voilà, il a joué avec ça et au final, dans celui-ci, euh, eh bien, je retrouve du Agatha Christie, du Joël Dicker Donc... Euh, voilà, vraiment, euh, vraiment, vraiment, euh, euh, pas mal, et euh, ça me donne envie de lire euh, l'autre livre que j'ai de lui dans ma palle. Pas mal, pas extraordinaire, euh, mais euh, vraiment très bon. Euh, je, euh, je sais quand même qu'à la lecture de ce livre, j'étais pas non plus euh, la plus disponible possible. J'ai lu euh, dans un. un... Contexte psychologique <laughs> particulier. Donc, euh, je l'aurais peut-être davantage apprécié si j'avais pas quelque chose qui me tournait tout le temps en tête à ce moment-là. Mais euh, malgré ça, il est vraiment très bon. Alors, il est vraiment. Euh... Mais malgré ça, c'était vraiment une bonne lecture. Euh, donc, euh, voilà. Je, si vous l'avez déjà lu, je veux bien savoir ce que vous en pensez. Dernier été pour Lisa. Voilà, et eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, c'était un épisode de podcast plutôt court, euh, mais là c'est vrai comme j'avais euh, quatre livres terminés, euh, j'avais très envie de d'en de, de, parler avec vous. Euh, voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, de bonnes vacances si vous, vous êtes en vacances, et je vous retrouve bientôt